J'ai modifié le jeu Super Mario Odyssey dans le but d'y incorporer Jet de Mario Sunshine. Ce mode nous permet donc d'utiliser les trois variantes de Jet qui sont l'aérobus qui nous permet de planer pendant un certain temps, la turbobus qui nous permet de courir et nager très rapidement, et enfin, en dernier, la catabus qui nous permet littéralement de nous catapulter en hauteur. Les nouvelles mécaniques de ce mode nous permettent donc d'apporter de la verticalité dans notre gameplay lorsqu'on essaie de speedrun le jeu, et nous permettent aussi de faire certains moves qui ne seraient pas du tout possibles à la base. Je vous laisse donc avec le best-of de ce live qui a eu lieu sur ma chaîne Twitch, que vous retrouverez en description, en vous souhaitant un bon visionnage. Et là, mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti. Et même, j'ai envie de dire, on va pas commencer comme ça, on va commencer peut-être avec quelque chose d'assez intéressant qui vous dit que, voilà, globalement, voilà, le speedrun commence normalement. On commence avec la version jet du mode super course, plus de la mort qui tue. Donc, c'était quand même compliqué. Attention, est-ce que tout le monde est prêt pour le meilleur left side d'une vie? Oh là 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 là, le center side, on passe par l'intérieur, oh là. Magnifique, magnifique, une très belle maîtrise du left side, contrairement à la maîtrise du combat contre Topper. Je pense que tu vas faire à peu près combien de temps, j'en ai absolument aucune idée parce que... Il y a certains endroits, je vais tenter de faire des skips, et à d'autres endroits, je vais faire normal, et donc du coup, ça n'aura aucun sens. Mais ce sera plus que mon PB, ça c'est sûr. Hop là. C'est parti. On va passer par là parce que je pense que c'est plus rapide du coup, plutôt que de sauter. Alors par contre, Jet qui... il fait pas partie des cinématiques, genre... Il est en lévitation, aucun problème dans cette cinématique. Mais Dino skip skip, mais ah ouais, d'ailleurs, attendez. Alors, je pense que c'est possible, mais compliqué quoi. Au final, la catabuse est... Quoi? Il y a un mur invisible ici, tu te fous ma gueule, je savais même pas. Je vous jure, on va y arriver. Je vous jure, on n'utilise pas le dinosaure, et ça ira très très bien quoi. En fait, mais regardez, regardez, quand je vous dis qu'il y a un mur invisible, c'est pas une blague en fait, il y a vraiment un truc là. What the fuck? Mais... Allez, hein. même pas besoin d'aller d'aller avec le rebord, aucun problème. Allez. Hein. Alors du coup ça me perturbe parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser Jet tout le temps par rapport à Capi. Et du coup ça fait que je fais des erreurs que je ferais pas d'habitude. Parce qu'en fait je suis tellement en mode j'ai envie d'utiliser Jet que du coup j'en oublie Capi quoi. Oh l'oiseau est si loin. C'est quoi on va l'utiliser comme ça? Oh là tu restes dans les airs. Même pas besoin de se faire chier à rester, à revenir au sol, ressauter pour choper la lune pendant qu'elle est pas targetable. Genre là, par exemple, je peux faire ça. Oh, ça peut être. Oh, ça, c'est de l'opti en vrai. Ça, c'est une micro-opti, mais ça reste une opti quand même. Hein. Ping, ping, ping. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais pas trop aimé. Mais qu'est-ce que je m'embête, moi d'ailleurs, je suis bête. Hein. Bah voilà, bah oui, bah évidemment qu'on fait ça. Pourquoi se prendre la tête quand au final, la solution de la verticalité est pourtant si simple et bienvenue. Par contre, ce qui est fou aussi, c'est que le jetpack, il conserve la vitesse initiale. C'est-à-dire que vraiment, genre, tu peux aller méga vite, méga loin, grâce au jetpack, parce que t'as pris du spin-pan, enfin, la vitesse du spin-pan à la base, ou des trucs comme ça. Hein. Tu peux t'amuser à faire des trucs de fou. Hein. Ça modifie le modèle de Mario, ça ajoute un modèle qui suit Mario. Non, en fait, c'est juste, c'est le même beatbox que Mario, mais par contre, ça t'ajoute le fait que tu aies les mécaniques de jet, c'est tout. En soi, c'est ça. Hein. Alors là, en fait, à 100, en vrai, c'est pas incroyable parce que ça aide pas des masses. Lol, globalement, là, tu vois, je vais aller là, je vais faire ça. Ça, 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 ça. Et là, tu vois, j'arrive là directement. C'est la pause FDP. Salut YouTube, n'hésite pas à mettre le petit commentaire, le fait de regarder la vidéo entièrement pour le watch time, ainsi que partager évidemment sur les réseaux sociaux l'entièreté de la vidéo. En sachant que l'abonnement est absolument gratuit, que ça fait plaisir. Alors le chat il dit salut YouTube. Alors que fut un temps, la guerre entre Twitch et YouTube c'était quelque chose. Hein. C'était très souvent en fait sur YouTube, les gens en fait ils s'en foutaient de Twitch. Et Twitch voyait d'un très mauvais oeil ce qui se passait sur YouTube. Et du coup ils étaient en mode genre va te faire YouTube. Oh là là c'est magnifique ce qu'on va te faire. Le petit saut ici, incroyable. Hein. Ah, par contre ça c'est cool. Hein. Voilà. Quand hier j'ai dit oui, c'était temps de partir en vacances parce que j'ai eu un coup de chaud. Bon, j'étais en mode vacances, Mario Sunshine. Il y en a qui étaient en mode, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors j'espère que du coup il y en a certains. Alors pas des gens. Alors quand vous êtes de Twitch et que vous savez déjà de quoi ça parle, ne mettez pas dans les commentaires. Ah bah oui, bah c'est tel mode parce que je le sais. Oui, tant qu'à faire, gardez-le. Ne le dites pas. Essayez de vous amuser à voir ce que les autres disent. Mais alors du coup attention, regardez bien. Ça marchera pas de faire ça. Non, viens là l'oignon. Oui, regardez ça ce qu'on va faire. Là on utilise l'oignon pour casser la noix, ok? Et non pas pour casser le gland. Regardez bien. Là on fait ça, gros skill. Ensuite, là tu prends la grosse plante piranha, tu la défonces, tu reviens, petit coup de jet. Ah ça c'était peut-être pas la meilleure idée. Oh en vrai c'était pas mal. C'était pas mal hein. Ce petit momentum, comme diraient certains.
Ah par contre Jet il vole, hein. Jet il s'en bat les... Il est dans notre dos. Mais alors regardez. Alors, en soi l'idée était bonne. Oh là là, 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 là. Non, va te faire... Non. Non, mais non, mais c'est dégueulasse. Non, mais du coup j'avais backup de fou, je me suis fait baiser par la caméra, fait chier. Oula, 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 oula. Quoi? Ok, ok, hein. Normal. Voilà, voilà, un gameplay normal. Hein. Tu sais, tu fais un speedrun spécial avec le mod. Globalement, je fais un 1%, mais j'ai jet. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la. Parce que le fait de venir là, attendez, hein. Regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie, parce que là. Oh là. Mais une optimisation, mais phénoménale. On n'a jamais vu ça. Parce que là, regardez bien. Ah, oh là 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 là. Là, c'est pareil. Tu vois, tu sors. Oh là 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 là. Magnifique. Hop là. Hein. Arrête de péter, masse à pu. Alors, attends, non mais alors, tu rigoles, mais on a 1h30 de route, on est en covoiturage à 5. Donc, je suis celui qui est attaché à l'arrière de la voiture entre deux personnes. Et il se passe ce qui va arriver quoi. Il y a quelqu'un qui a pété. J'ai failli mourir. J'ai failli finir intoxiqué tellement j'en pouvais plus quoi. Cette odeur presque fétide à laquelle on a dû survivre quoi. C'était presque c'était nauséabond mais d'un point de vue c'était putride. Voilà, c'est le bon terme. C'est-à-dire que le cabillaud qu'on a fait le matin. Bonjour. Même, on l'a retrouvé dans des sensations d'odeur quoi. Ça fait quoi si je fais ça? Oh là là, on l'a détruit. La note, elle n'a pas eu le temps de survivre. Hein. Non, alors par contre, j'ai pas fait ça. Me dis pas que j'ai fait ça. Ça va. Je respecte pas par ici, ça se fait pas pour un streamer comme toi. Pour un streamer comme moi, qu'il a dit. Hein. Enfin, pour comme toi, hein, en parlant de moi. Hein. C'est vrai que, attention, dans la rue, on m'appelle monsieur. Hein. Zéro blague, au lycée, on me voyait. Hein. Enfin, c'est-à-dire que, pas mes potes, mais mes profs me voyaient. Mes profs me voyaient parce que j'étais, on va dire, l'élève qui, du coup, était toujours habillé en mode costard, etc. Parce que sinon, bah, c'est ça. Bon, ça, cherchez pas à savoir. Si je suis pas en chemise, veste, etc., je suis pas à l'aise. C'est comme ça, c'est un blocage, comme ça, qui fait que... Ouh là là, bah, c'est marrant, ça. On a failli crever, ça. Trop drôle. Et du coup, mes profs, ils me voyaient. Mes profs me voyaient parce que, justement, j'étais toujours habillé de manière très sérieuse, etc. Et j'adorais leur parler en langage soutenu, quoi. C'est comme je vous ai déjà raconté l'histoire de la retenue. Fut un temps où, en terminale, on a essayé de me la mettre à l'envers. Je connaissais par cœur le règlement. Quand tout à coup, je devais aller manger, mais il était 10h. Et du coup, normalement, quand il est 10h, il disait « Ouais, tu dois aller en perme. » Sauf que moi, j'ai dit « Non, je m'en fous. » Je voulais pas y aller. Bon, du coup, j'ai dit aux autres, bon, on est externe, donc on va manger. Le surveillant qui était là, il a pété un câble, il a dit, ouais, ils sont où les autres, là, les trois? Je m'en bats les couilles, ils doivent revenir, sinon ils se prennent une heure de retenue. Ce à quoi moi, j'ai dit, on s'en bat les couilles. Je termine mon sandwich, et à 11h, eh ben, on retournera dans la salle. Oh là là, avouez, personne n'y a cru. Avouez que personne n'a cru à ça. On arrive dans la salle, etc. Et le gars, je lui dis bonjour, bah je suis monsieur, on va dire monsieur Voyon. Et j'ai appris que vous désiriez nous mettre, il semblerait, des heures de colle pour avoir séché une heure de perme alors que nous étions bien évidemment externes et que le prochain cours que nous avions était à 14h. Ce à quoi, du coup, le surveillant s'énerve et me dit j'en ai rien à faire. Vous avez séché la perme, etc. Donc vous avez 3 heures de colle. Je fais, est-ce que vous pourriez m'indiquer sur le règlement que des gens externes ont l'obligation d'être présents dans les établissement en heure de perme de 10h à 11h. Et il me dit j'en ai rien à voir. Je vous ai mis vos heures de colle, je vais voir la direction de l'établissement. Et je leur dis bah salut, c'est moi. Eh, tu devineras jamais, il y a Franck qui a pété un câble. Il a voulu foutre en colle. Je fais, tu vas bientôt le recevoir. Ce à quoi la directrice adjointe me répond, jure. Elle me dit bah va voir le proviseur. J'arrive dans le bureau du directeur et là il y a Franck qui était dedans, en train de dire ouais, il y en a, il m'a pris de haut et tout. Et du coup, bah, j'arrive en mode genre bonjour, je crois que ça parle de moi. Donc le directeur qui dit ah, t'as voulu mettre une colle à monsieur Voyon quoi. Il dit bah quoi, qu'est-ce que j'en ai à f... Ouais, il a pas respecté le règlement et tout. Et là, je lui dis ouais, mais comment ça dans le règlement s'écrit où? Donc là, avec le directeur, on regarde. À aucun moment c'est spécifié. Là, je vous jure que là, il avait le seum. Ah, j'étais casse-couille. J'avais pas encore fait d'études de droit que j'étais casse-couille. T'as vraiment lu le règlement? Ben non, mais je savais que c'était pas écrit. C'était trop spécifique là comme situation. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est pas écrit votre truc là. Tiens, on a voulu me la mettre à l'envers. Hein. Eh ben pas à moi. Hop là. Le petit boss. Bonjour. De... Ah, il met des dégâts. Je viens d'apprendre un truc, il met des dégâts lui. Et c'est parti pour le Mecha Wheeler. Que se llama El Mecánico
Oui, Grelwar. Et d'ailleurs, ah ouais, eh, j'ai aussi grugé, c'est mon chef. Quand on a des bouchons et que c'est dur de revenir assez tôt pour moi pour stream, etc., j'ai commencé à dire au chef, je suis ouais, mais en plus ce soir je bosse, quoi. J'ai pas dit où, j'ai pas dit quoi. Et en gros, il me fait oh, ah, ce soir tu retombes bosser et tout. Ah ouais, t'as du courage. Du coup, on est parti, au lieu de partir à 17h, on est parti, il était 16h06. That's how it's done, boys. You gotta be smart. Mais globalement, j'ai pas menti, hein. J'ai juste pas précisé que je bossais en cuisine, quoi. Pim, 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 pim. Oh, attention, attention, attention. Oh, oh. Hop là, hein. Attention, hein. Bah, c'est pourquoi il y a Jet. Parce que fur, ok. Oh, attendez, on va essayer de faire ça. Ici, là, on va essayer de faire le saut le plus long de la Terre. Regardez bien. Avec ce qu'on appelle un Dire Vault. C'est comme ça qu'on fait. Oh, ça passera pas. Oh, oh le plaisir. Regardez par où on passe là. Regardez par où on passe par rapport à d'habitude. Oh le plaisir, ça passe en plus. Oh là là, c'est magnifique. 1, 2, 3. Ah ça, ah, ça. Oh là par contre ça m'a l'air plus compliqué là. Ah là par contre ça m'a l'air plus compliqué. 1, 2, 3. La. Évidemment que ça passe. Oh, ça vous dit on va là-bas? Oh, j'ai envie d'aller là-bas, hein. Le vectoring. Alors je connais pas par contre, hein. Je vous dis tout de suite, ça c'est une découverte pour moi. Oh, ça va être marrant ici. Oh, ça va être marrant parce qu'en fait globalement là. Ah, mais elle est où? Oh, elle est là. Mais trop marrant ça. Trop marrant ça. Oh, je sais quelle lune on va faire. Attention. Je suis en train de me dire que j'ai plus d'eau là par contre là. Ah ouais. Allez. Oui. Ah, j'étais en mode forcément je vais crever là en fait. D'accord, on va sauter si tu planes, ça compte ou pas? Mais non, attends. Faut tester ça. Ratio le jeu. Oh, mais le pire c'est que ma RNG elle est folle, à chaque fois que je retombe ça passe. Là par contre je pense que là c'est mort maintenant. J'ai plus beaucoup d'eau par contre. Non. Tant pis. Mais ça passe, ça marche. Attends, par contre là je vais voir une dinguerie. Oh, oh non. Oh, c'était si close. Oh, c'est sûr ça passe. Oh, jamais ça passe ça par contre. Oh le cheat code. Oh le cheat code. Oh le cheat code. Il suffisait d'être smart. Il suffisait d'être intelligent. Fille de CRC, bref, ouais, excusez-moi, mais les casus, bon, qui utilisent le 2-player mode, hein. J'ai envie de vous dire, voilà, quoi. Pas toi, autre truc, quoi. Hein. Oh là là. Meilleur Snowdram ever, by the way. Hein. Oh là là là. Bonjour. Attendez, mais non, mais... Pourquoi se faire chier à faire le tour quand tu peux passer par l'hypoténuse du triangle? Parce que si vous regardez bien, ça fait un triangle, et du coup, là, l'hypoténuse, c'est-à-dire le... Ok, bon, bref. Maintenant, j'avais fait un cours de maths, puis après, j'ai dit ratio, quoi. Ok, Pythagore, quoi. Ouais, voilà, merci. Oh là 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 là, tout le monde pensait qu'il allait crever, en fait, non, pas du tout. Oh, Superstar Mode, Superstar Mode, Superstar Mode, Superstar Mode, Superstar Mode, Superstar... Ah, mais... Même quand je les pose, ils viennent, quoi. C'est terrible, ça. À l'aide. Et allez vous faire... Pire mob du jeu, le hérisson. Rien savoir là-dessus, hein. Ah, c'est hyper anxiogène, ça. Non mais arrête d'envoyer Capi là où il faut pas. Il me rend fou, il me fait trop peur Capi là, il va pas là où je veux. Mais il l'a envoyé à gauche. Voilà, et enfin easy. Hop là. Oh, je... oh attends quoi que. Oh. On a réussi, hein. Je crois qu'on fait ça mais on le fait, hein. Voilà, hop là, hop là, hop là. D'accord, ça j'adore quand Rango il décide de faire son petit FDP là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Mais quoi? Pourquoi il bug? Ça fait deux fois qu'il me la met à l'envers là. C'est fou ça. Attention, attention. Hop là, hop là. Alors ça, ça passera pas. Par contre là, ça passera. Parce que regardez. Oh là 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 là. On peut faire des choses ici, hein. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Eh, c'est trop chiant. Le fait de pas voir l'interface quand tu récupères une lune, c'est trop chiant. Parce que du coup, tu sais pas où sont... Enfin, quel est lequel, en fait. Tu sais pas quelle buse t'as, parce que parfois, elle a pas affiché la buse. Et du coup, tu te fais des... Tu te fais... Ah, alors, du coup... Hop. Oh, regardez ça. Regardez ça. Ce monde-là. Est-ce qu'on peut marcher sur l'eau avec ça? Je sais plus. Alors, non. C'est pas comme dans Sunshine. Mais... Alors, ça, par contre, c'est fou. J'ai l'impression que l'oxygène baisse de
quand tu fais ça par contre. Et attendez, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel... Oh, attendez. Oh, il y a peut-être moyen de faire une dinguerie, là. Regardez bien. Hop. On va aller voir un petit peu en out of bounds ce qu'on peut faire. Exploration maritime. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Par contre, je comprends pas qu'on puisse être à court d'eau quand on est là. Hein. Genre, je suis littéralement dans l'eau. C'est quoi ça, là-bas? J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je découvre le jeu, là. Sachez-le. Hein. Ça c'est les streamers qui... Là, je me dis, il y a peut-être moyen de faire une dinguerie. Attendez, c'est chaud à faire. Il y a moyen de ouf. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? GG le coup de bol. Envie de canner quand je vois ça. Quand je vois ça dans mon chat. En haut des rochers, je pense pas, non. J'aurais pas assez de hauteur. Regardez bien. Regardez bien. Magnifique. Magnifique, magnifique. Faut savoir que depuis à peu près une semaine, nous sommes observés. Nous sommes étudiés. Nous avons été catégorisés. Il se trouve qu'en fait, vous le savez, nous en avions parlé. J'ai pu, samedi, faire ma demande de partenariat Twitch. Depuis, ils ont décidé de nous catégoriser, de nous regarder et de vérifier qui nous étions, ce qu'on valait. Et il semblerait que d'après eux, vu ce qui m'a été répondu dans l'après-midi, nous ne sommes que des clowns. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Pour eux, nous ne sommes rien du tout. C'est pourquoi ils pensent que, d'après eux, ce n'est que de passage. Que l'armée del General, en réalité, n'existe pas. Qu'il n'y a aucune solidarité. Que nous ne sommes pas un groupe. C'est pourquoi Twitch m'a annoncé qu'il souhaitait attendre un mois supplémentaire. Afin de reconsidérer cette décision. Hop là. Est-ce qu'on peut faire cette zone uniquement avec ça? Je pense que oui. Ok. Et ben non. Et ben non, parce que là, du coup, c'est pas possible à la fin. Hop là. Bing bing, bars bing, bing bing, bing bars bing. Oh, j'ai le dev à côté. Mais... Hop là. Hop là, hop là. Ça me termine. Hein. Vraiment, ça apporte tellement de trucs, ce truc-là. Est-ce que ici, ça fonctionne? Ouais, attends. On peut faire ça comme ça, hein. Ouais, voilà. Hop là. Et là, attention, regardez bien. À l'aveugle, hein. Alors, j'ai failli mourir à cause de ça, hein. Sachez-le, hein. Je fais un spinner avec le jetpack de Sunshine, c'est ça. Mais bon, c'était un run assez tranquille, hein, j'ai envie de vous dire. Attendez. Oh là là, on va passer par là. On va passer par là. Pour les personnes qui débutent sur Twitch, conseillerais-tu de focus sur YouTube plutôt que sur Twitch? Déjà, j'aime pas ça parce que ça me fait passer pour un gars qui peut se permettre de vous donner des conseils. J'ai aucun conseil à donner à n'importe quel d'entre vous, hein. Je suis pas un gros streamer, et même si c'était le cas, grosso modo, mon avis, on s'en bat les... Ok, pas commencer à prendre la grosse tête juste parce que tes chiffres sont plus gros. Hein. Ça, c'est, on va être très clair là-dessus. Moi, ça m'horripile les gens qui... Enfin bref, le conseil que je peux te donner, c'est fais ce qui te plaît. Pourquoi fais ce qui te plaît? Parce que si de base, tu commences à faire un truc en mode je le fais parce que je veux réussir, tu vas juste te foutre une pression pas possible. Et la probabilité que tu y arrives est moindre. Ah, attends, quoi que... Ok, ça doit être faisable. Alors du coup ça. Hop là, on l'a fait. Let's go. Attends, en vrai, est-ce qu'il y a moyen de faire une dinguerie là? Ça dépend. Oh ouais, non, c'est impossible. Le mecha va être easy, je vois pas pourquoi tu fais ça. Hein. C'est marrant ça. C'est honteux ça. Oh là là, magnifique. Très beau face mecha. Hein. Oh, j'ai failli avoir la cible, j'ai failli avoir la cible, j'ai failli avoir la cible. Voilà. Quand on préfère Mario Odyssey, c'est le monde de Sand Kingdom, bien sûr. Oh, c'est fou ça. Oh, c'est fou ce qu'on vient de faire. Et c'est le combat final contre El Señor Bossel. Oh, ça m'attarde. Asus mal parlé au Koopa. Oh no. J'ai pas fini le jeu. Après, je prends mon temps. Hein. En soi, il y a le timer, mais on s'en fout. Hein. Et même en prenant mon temps de ouf, on est que 1h23. Hein. Dos. 13. Voilà. Est-ce que ça marche ça? Non, ça marche pas. Hein. Ouais, j'arrive à la fin du délire en fait. Globalement, ouais, et là du coup, y a pas Jet, c'est ça. Oh, attention, et voilà comment j'ai terminé Super Mario Odyssey avec Jet de Mario Sunshine. Mouah.